Bonjour et bienvenue à tous dans votre édition de la mi-journée. 98 nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont les chiffres communiqués hier soir par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, ce qui porte désormais à 753 le nombre de cas de Covid-19 dans la région. A noter que le nombre de décès parmi les personnes hospitalisées s'élève désormais à 14. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés et identifiés par la médecine de ville. Le nombre de cas de Covid-19 dans la région est donc bien supérieur à ceux donnés par ces chiffres que nous vous communiquons chaque jour. Pour endiguer le Covid-19, le Conseil scientifique estime qu'il faudra rester confiné jusqu'au 28 avril prochain. Aucune annonce de la part du gouvernement n'a pour l'instant été faite à ce sujet. Je vous rappelle que certaines mesures du confinement ont par ailleurs été modifiées lundi soir par Édouard Philippe. C'est notamment le cas de la pratique sportive ou de promenade qui est limitée désormais à une seule fois par jour dans un rayon d'un kilomètre autour de votre domicile et pour une durée d'une heure maximum. Sachez également qu'une nouvelle attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur, une attestation sur laquelle il faut toujours marquer la date de sortie, mais également l'heure à laquelle vous quittez votre domicile. Nous vous parlions hier des couvre-feux mis en place dans la région. C'est déjà le cas à Lège-Cap-Ferret en Gironde ou encore au Verdon. Eh bien, la municipalité de Saint-Médard-de-Guizière dans le Libournais vient également d'instaurer un couvre-feu. Il est désormais interdit de circuler entre 20h et 5h du matin. Les commerces alimentaires fermeront désormais à 19h30. Sachez également que Villeneuve-d'Ornon met elle aussi en place un couvre-feu dès ce soir entre 21h et 6h du matin, suite à des plaintes de nombreux habitants. C'est la première commune de la métropole bordelaise à mettre en place un couvre-feu. 5 magasins alimentaires ont été verbalisés à Bordeaux, Bègles et Talence pour non-respect de la fermeture de nuit. Fabienne Bouccio, la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, va prendre un arrêté de fermeture administrative envers ces commerces. Une fermeture allant de 15 jours, 1 mois, jusqu'à 6 mois, 1 an en fonction du passif des établissements. Je vous en parlais hier, le Premier ministre a annoncé lundi soir l'interdiction des marchés ouverts sauf dérogation préfectorale. Eh bien ce matin, le marché des Capucins à Bordeaux était ouvert, mais vous le voyez avec un barriérage à l'entrée pour filtrer les entrées et les sorties. À La Rochelle, un arrêté a été signé pour que le marché central puisse avoir lieu comme d'habitude. Le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, a adressé au préfet de la Charente-Maritime une demande de dérogation pour les marchés de la ville, comme le décret le prévoit. Par ailleurs, sachez qu'à Cognac, le maire a également fait la demande d'une dérogation pour que les halles restent ouvertes. En Dordogne, à la demande des maires, là encore, le préfet laisse 8 marchés ouverts, parmi lesquels ceux de Périgueux, de Bergerac ou encore de Montpazier. Dans le Lot-et-Garonne, 8 communes ont fait la demande pour conserver leur marché. Citons de manière non exhaustive Marmande ou encore Casteljaloux. Si certains marchés restent ouverts, cet ostréiculteur de l'île d'Oléron a lui fait le choix d'arrêter les marchés depuis déjà plusieurs semaines. Les ostréiculteurs, eux aussi, doivent s'adapter dans ce contexte de Covid-19 pour poursuivre leur activité. Écoutez. L'entreprise ostréicole a quand même du travail. Là, on est en train de s'occuper du demi-élevage, donc ça veut dire les huîtres qu'on va vous vendre l'année prochaine, les huîtres qu'on vous vendra dans 2 ans. Après, au mois d'avril, on va s'occuper des huîtres qui sont nées l'année dernière, qu'on va les défaire de nos collecteurs. Mais voilà, en prenant toutes les précautions, quoi. C'est-à-dire que des machines où on pouvait être à 5, 6 à travailler dessus, on n'est plus qu'à 3. Là, le criblage reste dans le hangar, la mise en poche se fait à l'extérieur. Donc on a plus de 3 personnes sur le crible, 2 personnes à l'empocheuse qui tiennent leur distance. Et ça, pour moi, c'est primordial, quoi.
Le Covid-19 a déjà un impact sur l'économie du pays. Dans la région, 1663 entreprises ont déjà fait une demande de chômage partiel pour 30 000 personnes. Je vous rappelle que les CCI ont mis en place des cellules de crise. C'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir à 18h dans notre grande édition. Vous l'avez entendu hier soir sur notre antenne, Alain Rousset, le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a annoncé de son côté la constitution d'un fonds exceptionnel de 50 millions d'euros, dont le montant pourrait être réévalué à la hausse. 15 millions iront à un fonds d'aide d'urgence aux entreprises en difficulté, des entreprises dont la taille varie de 5 à 500 salariés, à condition qu'elles aient leur siège ou leur établissement principal situé en Nouvelle-Aquitaine. Un numéro, mais aussi une adresse mail, ont d'ailleurs été mises à leur disposition. Et comme chaque jour avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail qui s'affiche à l'écran et que TV7 a mis à votre disposition. Si vous avez la moindre question à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons à vos questions en faisant appel à des experts. Vous pouvez également utiliser cette adresse mail pour nous faire part de la façon dont vous vivez votre confinement. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité.